À Ajaccio, c'est dans la rue Colonel Colonna d'Ornano que la Corsavem reçoit les personnes victimes de tout type de violences. Concernant celles subies par les femmes au sein du couple, elles ont été 333 l'année dernière à franchir les portes de l'association dans les différents points d'accueil de l'île. Aide juridique et psychologique avec un temps fort, les groupes de parole. Aujourd'hui, on va essayer un petit peu de faire le bilan de toutes ces rencontres. Donc vous demandez un petit peu comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que ça vous a apporté. Mais disons, ça nous a amené d'être un peu plus fortes malgré quelques défroids, quelques dépressions. Mais on sait toujours qu'on n'est pas seul, que si on a un problème, on vient ici, on est reçu, on est conseillé et voilà. Sortir de l'isolement, oser aller demander de l'aide est tout l'enjeu dans une situation d'extrême violence. Oser effectivement aller déjà déposer une plainte ou en parler à la gendarmerie ou aux policiers, quoi. Et ensuite, effectivement, avec le formulaire qu'ils donnent à la fin, ils indiquent les coordonnées de la Corsavem. Il ne faut pas hésiter, quoi. Moi, j'avoue aussi que j'ai hésité à venir, mais il ne faut vraiment pas hésiter. On a honte, mais l'accueil qu'on a, on ne nous juge pas, justement. On nous écoute, on nous conseille. Seul, on ne s'en sort pas. Jamais, jamais. Il nous faut toujours un soutien. Et il faut venir en discuter. Il faut, franchement, je dis à toutes les femmes, celles qui m'écoutent, qui est devant sa télévision, qui en ce moment qui subit des violences, qu'elles viennent toquer à cette porte. Le rôle de la Corsavem, hein, c'est d'apporter aux victimes et notamment aux femmes victimes de violences une aide juridique et un soutien psychologique. L'aide juridique, c'est informer les victimes sur leurs droits, leur expliquer les procédures, les aider dans leurs démarches, les orienter vers d'autres professionnels qui peuvent leur venir en aide, comme les avocats, les médecins, les assureurs, c'est en fonction de la situation. À l'échelle régionale, la Corsavem compte 6 salariés avec l'intervention de 8 psychologues cliniciens. À Bastia, le siège de la Corsavem est rue San Angelo. Les deux numéros de l'association sont précieux à retenir. Thank you.